Bienvenue dans la causerie de ce matin et pour en parler, nous avons sur ce plateau Stanislas Benupo-Amoah. Bonjour. Bonjour Olali, bonjour Gilles-Christ. Journaliste culturel, voilà. Merci d'être là. Moi. Anissé Adanzounon, vous êtes comédien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et il était là depuis 6h30 avec nous. Il s'agit de Raïmi Amoussa, métaphysicien et artiste plasticien également. Merci d'être toujours là. Voilà. Allez, merci à tous d'avoir répondu à notre appel. Anissia Danzounon, comme il m'appelait Pasteur Zan, puisque c'est un secret de collectionneur sur les antennes de ETL, on va parler de l'établissement de répertoire national des artistes béninois. Le gouvernement qui a donc le souci de savoir exactement qui est artiste au Bénin, qui ne l'est pas. En quoi cela constitue une initiative salutaire ou non, selon vous? Excusez. Oui. Nous remercions le gouvernement parce que c'est très important de connaître qui est artiste, qui ne l'est pas. Vous savez, ce souci date de très longtemps. Oui. Et que moi, je suis très heureux d'avoir un gouvernement comme le gouvernement du Nouveau Départ de la Rupture, oui, qui veut s'atteler sur cela. La preuve, il y a un ministre qui est ramené pour achever ce qui est installé depuis un bon moment. Voilà. Qu'est-ce qui est installé depuis un bon moment? Je veux parler du statut de l'artiste. Le ministre de la Culture a préfacé le statut de l'artiste et il y avait certaines choses qu'on avait déjà installées, qui est artiste, qui ne l'est pas. Maintenant, c'est nécessaire pour le gouvernement d'installer la maison de l'artiste pour pouvoir connaître qui est artiste, qui on peut répertorier, qui peut bénéficier de ci ou de ça. Voilà. Voilà. Raïmi Amoussa, vous êtes également artiste. Quel est le bien fondé d'avoir un répertoire pour les artistes? D'abord, la notion de réforme ou de rupture suppose qu'il y a eu des constats négatifs. Lorsque vous êtes propriétaire dans une maison et que vous ne connaissez pas qui sont vos locataires, vous voyez tout ce qui peut arriver. C'est exactement ce que le gouvernement est en train de faire. C'est-à-dire, maintenant, savoir qui sont les locataires dans ma maison. Et quand on dit locataire, parfois c'est une chambre, un salon, chambre, salon, appartement. Il y a nécessité maintenant qu'on sache qui est qui. Toujours les gens meurent et c'est après qu'on entend qu'ils ont des qualités. C'est du n'importe quoi. Il faut valoriser et honorer les gens de leur vivant. Et l'autre chose, c'est quoi? Ce travail va permettre de mettre un cachet sur les artistes maintenant. Parce qu'il y a un autre problème par rapport auquel le gouvernement a fait ce travail, c'est quoi? Quels sont les paramètres qu'on peut suivre pour dire tu es artiste? Le don est une chose, mais l'apprentissage est aussi autre chose. Il y a deux choses là. Il va falloir cacheter des dons. Et aussi, il va falloir cacheter dons et apprentissage. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Certains sont allés à l'école. D'autres ne sont pas allés à l'école. Mais la plupart du temps, ceux qui ne sont pas allés à l'école sont meilleurs encore plus que ceux qui sont allés à l'école. Donc, c'est par rapport à ça que le gouvernement est en train de faire tout ce travail. On dit souvent, quand ils n'ont rien à faire, c'est en ce temps qu'ils disent qu'ils sont artistes. Non. Non, n'est pas artiste qu'il veut en réalité. Très bien. Stanislas Amoah voulait côtoyer ces artistes, puisque vous êtes journaliste culturel. Dites-nous, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, la question ne mérite plus même d'être posée. C'est assez indispensable, je dirais, qu'il faut quand même réorganiser le secteur des artistes. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'improvisation dans le secteur. N'importe qui se lève, il se fait appeler artiste. Du moment où peut-être il a fait peut-être un morceau qui marche ou que les gens aiment bien, il se fait appeler artiste. Alors disons avant tout que dans la corporation même des artistes, il y a plusieurs catégories. C'est à tort qu'on appelle tout le monde artiste. Sinon, il y a des musiciens, des chanteurs, des plasticiens, des peintres, etc. Vous voyez donc, il y a tout un ensemble qui réside dans cette corporation-là. Et quand le gouvernement décide aujourd'hui de réorganiser le secteur, de donner un statut
véritable, officielle ou bien légale à l'artiste, c'est que la profession elle-même mérite d'être revue. Vous savez que, oui, d'être assaini, merci pour le mot, parce que anciennement, les grands artistes que nous avons connus, les grands artistes musiciens que nous avons connus au Bénin, par exemple, beaucoup ont eu de la qualité, comme je l'ai entendu tout à l'heure, mais ils ont fini très mal. Si bien que, quand vous voyez le succès qu'a connu leur morceau, par exemple, et la fin tragique qu'ils ont eue, c'est le jour et la nuit. On se demande, mais c'est telle personne qui a fini mal, qui a eu tel succès à travers cette chanson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le flou qui a caractérisé ce secteur pendant longtemps a fait que ceux-là qui ont de la qualité pour pouvoir être nourris de leur art n'ont pas véritablement bénéficié du fruit de leurs efforts. Et donc, cette décision du gouvernement vient pour remettre au goût du jour chacun à sa place. Quand vous êtes artiste et que vous avez le statut légal défini par la loi, justement, eh bien, vous aurez les avantages qui vont avec vos aptitudes. Quand vous prenez le secteur des musiciens aujourd'hui, il n'y a que les réseaux sociaux ont favorisé beaucoup de choses. Même depuis ma chambre, je peux dire que je suis un musicien parce que j'improvise quelque chose par WhatsApp, j'envoie ça à quelqu'un qui me met un son et je me dis que je suis artiste, alors que cela ne devrait pas être le cas. Autre chose aussi, c'est que beaucoup vont à la musique de nos jours par suivisme, vous voyez, par désintérêt aussi. On a fini de côtoyer les autres secteurs, ça n'a pas marché, on vient dans le domaine de la musique pour s'essayer, non. Un artiste doit avant tout être un professionnel de son domaine, apprendre ce que c'est que la musique, ce que c'est que l'art, se perfectionner pour s'adapter aux réalités de son temps. Donc cette décision, elle est salutaire. Mais Anicia Danzono, pourquoi a-t-on le sentiment que le milieu artistique ou le milieu culturel en général constitue un dépotoir pour toute personne? Une fois encore, je remercie le gouvernement. Mais c'est pour vous dire que le milieu constitue un dépotoir parce qu'on ne veut pas respecter les tests. Aujourd'hui, le gouvernement est là pour appliquer les tests. Parce que faut souvent dire, tu vois, la rupture n'est pas venue pour inventer. Mais il y a des tests. Je vous dis, par exemple, il y a trois catégories que des administratifs, je peux dire, ont voulu répertorier l'artiste. Or, il y a une définition universelle de qui est artiste. Oui. Oui. Mais par contre, vu la société, vu ce qui se passe, le dépotoir dont vous venez de dire, ils ont dit, la première catégorie, les artistes professionnels exerçant une ou plusieurs activités artistiques en plein temps et qui tirent la majeure partie de leurs revenus. Ça, c'est l'artiste professionnel. Peu importe chanteur, ceci, cela ou ceci. Voilà. Deuxième catégorie, les artistes semi-professionnels exerçant une ou plusieurs activités artistiques à temps partiel et qui en tirent des revenus complémentaires aux revenus d'une autre activité. Voilà comment ils ont défini. Mmh. Troisième, maintenant, on dit les artistes amateurs exerçant une ou plusieurs activités artistiques est-il occasionnellement ou ludique sans en tirer forcément un revenu. Donc c'est là. Et là, c'est le statut de l'artiste. Très bien. C'est le statut de l'artiste. Et maintenant, j'en reviens. Oui. Pour donner la nécessité, par exemple, de répertorier les artistes. Oui. Vous savez, lorsque vous exercez un métier. Monsieur Rémy l'a dit, on n'est pas artiste parce que tu veux être artiste. Tu es artiste parce que tu peux être artiste. Tu vois? Et d'une manière vulgaire, je peux dire la définition du mot artiste, c'est celui qui exerce un métier libéral. Mm-hmm. Tu vois? Mm-hmm. Et du coup, notre métier est reconnu par l'État, mais du moment où on n'applique pas les tests, on est comme l'essence fladée. Ou n'importe qui en manque de sous peut se taper deux bidons d'essence avec des bouteilles et se met à vendre de l'essence. Mmh. Tu vois? Et comme Stan qui vient de dire que quelqu'un qui sort un single et qui se dit artiste, mais c'est normal. Tu vois? Lorsqu'on parle du régime de la protection sociale, oui. À l'article 16 oui. de statut, il est créé un régime de sécurité sociale et des artistes à la Caisse nationale et de sécurité sociale. Mmh. Le régime de sécurité sociale des artistes est essentiellement financé par des cotisations des artistes auxquelles s'ajoute une part contributive mise à la charge des entreprises, des agences et des diffuseurs. Mais quelle entreprise qui finance quoi ici? Rien! Donc en réalité, les gens réfléchissent. Mais ça nous sert à quoi
de respecter ça. Aujourd'hui, le gouvernement maintenant veut mettre le temps à la disposition pour que le statut de l'artiste soit respecté. Pour que qu'on sache que toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu peux faire pour un artiste? Toi, en tant que ceci, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vois, le dépotoir nous a amené même à inventer même des mots. Et on se trouve même des titres, tu vois, pour ceci. Aujourd'hui, on a un problème de respecter le statut, tout ça, parce que l'Union, l'UMOA, n'a pas reconnu une partie de ce statut concernant les catégories. Parce qu'au Sénégal, un artiste, c'est un artiste. C'est tu ça. N'es pas un artiste, tu n'es pas un artiste. Il n'y a pas de semi-professionnel, il n'y a pas d'amateur. C'est ça. Mais c'est nous, notre loi, ça. Oui, c'est que c'est la loi qu'on a essayé de mettre à la disposition qui n'est pas, qu'on n'a pas pratiquée. Est-ce que c'est justement pour essayer de faire profiter à ces artistes-là les avantages? Par exemple, il a parlé de sécurité sociale tout à l'heure et certainement d'autres projets. Est-ce que c'est notamment pour le faire profiter à cela qu'on a décidé d'abord d'établir le répertoire pour savoir qui est qui? Est-ce que tu avais été dans la base de données, maintenant tu peux en bénéficier, Rémi? Oui, c'est au-delà même de ça. Remarquez que quand on parle de vitrine d'un pays, ce sont d'abord les artistes. C'est vrai, il y a les politiciens, mais les politiques, ça ne dure pas comme les artistes. Donc, en réalité, ce sont les artistes qui sont réellement, permettez que nous rendons hommage à un de nos devanciers, et Joseph Poubli. Permettez que nous saluions aussi notre président des plasticiens à Bailly. D'accord. Parce que la fédération a participé vraiment à ce travail. C'est nécessaire ce travail que le gouvernement a fait et continue d'appliquer. Le problème en réalité, c'est quoi? Quand vous prenez 100 artistes au Bénin, la plupart ne vivent vraiment pas de leur métier. C'est le vrai problème, ça. Musicien encore, c'est bien parce qu'on peut agencer, les gens écoutent. Plasticien, attendez, tu te débrouilles, tu crées ton œuvre, peut-être tu as dépensé jusqu'à 50 000, et un kidam vient dire que de lui vendre ça à 5 000. Et petit à petit, l'artiste est déçu, et soit il rentre dans l'alcool, soit il finit par délaisser totalement. Donc il y a un problème pour un temps au moins, qu'on parraine les artistes d'abord. Mais tout à l'heure, il a parlé des catégories. Et l'explication que vous donnez se retrouve uniquement au niveau de la troisième catégorie, où peut-être l'artiste a décidé, juste pour des faits ludiques ou pour se faire plaisir, peindre et peut-être vendre les tableaux, mais pas en tirer profit comme vous êtes en train de le dire là. Non, s'il vous plaît. Et on ne peut pas peindre par plaisir. On ne peut pas être artiste par plaisir, c'est faux. L'artiste, c'est un médium. C'est quelqu'un qui parfois rentre dans des communications que vous ne maîtrisez pas. Il est comme un visionnaire, comme on dit. La visitation qu'il subit par moment fait que, si vous pouvez savoir, c'est un moment difficile que l'artiste vit. Si, par exemple, supposons que quelque chose vient arriver dans une nation, mais je peux vous dire que ça passe toujours par les artistes, les visionnaires, d'abord. Et ça, les dandines comme l'alcool saoule. Ah bon? Mais oui, c'est pour vous dire quoi? C'est notre droit qu'on s'occupe de nous, s'il vous plaît. On ne veut même pas commander ça. Parce que le travail que... L'artiste joue un rôle de nettoyeur. Mais on ne s'en rend pas compte. Vous vous rendez compte? Supposons que quelque chose peut arriver dans 10 jours. L'artiste peut commencer par peindre et savoir que la chose vient. Ou vous ne comprenez pas comment le musicien commence par fredonner. Vous suivez? Remarquez l'artiste qui est mort tout dernièrement. Pourquoi ces derniers mots ont annoncé que quelque chose va lui arriver? Est-ce que c'est de lui-même qu'il a dit? C'est la preuve que l'artiste, à des moments donnés, est réceptable de visitation. Ce travail est nécessaire. On ne peut pas être artiste par complaisance, c'est faux. C'est un métier en réalité très difficile. On frôle la mort avec ce métier, on frôle la mort. Donc en réalité, le recensement est nécessaire.
Nous remercions le gouvernement. Le travail qui est fait est nécessaire. Vous savez, il y a de nos frères qui sont décédés. Excusez-moi, hein. Aujourd'hui, on continue d'écouter leur musique. On continue de voir leur... Surtout, nos âmes. Il y a toujours un artiste qui, moi, m'a toujours plu. Un beau jour, comment... Robinson Sipa. Robinson Sipa. Mais on fait du mal là, aux artistes dans ce pays. Mm-hmm. Réécouter ces morceaux-là, c'est magnifique. Mais on les a négligés. Nous, la nécessité, ce que le gouvernement fait, c'est d'abord nous ne pouvons que prier pour le chef de l'État. Mais au-delà de ça, qu'on parraine les artistes. Qu'on parraine les artistes. Parce que la catégorisation là, oui. J'aime pas trop ça. D'accord. Moi, j'aime pas trop cette catégorisation là. D'accord. Moi, c'est ce qui bloque. Oui. C'est parce qu'ils ont mal catégorisé que l'UMOA a dit de revoir cette situation. Bien. Mais en attendant peut-être que ce soit revu, je posais tout à l'heure la question à Rémi sur les avantages éventuels que les artistes peuvent en tirer. Il a parlé tout à l'heure de sécurité sociale. Oui. Très peu d'artistes sont ça, par exemple, Stanislas. Oui, très peu d'artistes sont ça. Il faut d'abord dire que par rapport à cette catégorisation, ça date de 2011, ce statut-là. Donc, 8 ans en arrière, donc il y a peut-être des choses à revoir. On n'a pas encore appliqué. Voilà, donc, nonobstant cela, il n'y a que, vous savez, quand on rentre dans la classification, très peu d'artistes remplissent le premier critère, c'est-à-dire être des artistes professionnels qui ne se nourrissent que de cette seule activité. On n'en voit pas beaucoup au Bénin. Si on doit faire la citation, on ne peut en trouver que 4 ou 5 au maximum. Tout le reste, c'est des gens parallèles, voilà. Tout le reste, je vous dis, c'est des activités parallèles. Si vous voulez, on va faire la citation pour voir quels sont les artistes qui artistes et qui ont vécu de ça, qui ont eu des enfants, qui se sont construits. Oui. Et alors, verrez... on peut même au moins dire 10, je peux dire 10 tout de suite. D'accord. Je crois que j'ai la parole. Oui. Il a la parole, mais je peux dire 10 tout de suite. On y va. Voilà, ça là, je me résume par rapport à ça. Donc, par rapport à ça, je voudrais dire que quand on essaye de recenser les gens dans une corporation, c'est qu'il y a forcément des avantages. Supposons que l'administration de cette maison dit, bon, recensez-moi le personnel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Avec des précisions sur la situation de chacun. Exactement. Il y a quelque chose qui arrive forcément. Donc, ça veut dire que les avantages qui seront mis à disposition des artistes ne seront plus pour tout le monde désormais. Parce que si ce recensement avait été fait et de façon correcte ou orthodoxe sous les anciens régimes, l'ancien ou l'ex-fond d'aide à la culture n'aurait pas connu le sort qu'il a connu sous l'ancien régime, par exemple. S'il y avait eu ce recensement-là, légal, où on sait que tel est artiste, tel ne l'est pas, il n'y aura pas des brebis galeuses qui iront prendre des millions sous l'ex-fond d'aide à la culture. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire même qu'au sein même de la corporation des artistes, on n'est pas arrivé à s'entendre sur qui est artiste et qui ne l'est pas. Raison pour laquelle le gouvernement a décidé de taper du poing sur la table et de prendre le taureau par les cornes pour assainir le secteur. Donc, un tel recensement vise d'abord et avant tout à donner des avantages aux artistes, mais pas n'importe quel artiste. Ce sont les artistes qui rempliront les critères définis par la loi. Ce sont les artistes qui vont exercer le métier au vu et au su de tout le monde. Parce que imaginez, quand par exemple il y a des manifestations officielles, ceux-là même qui ne sont pas artistes, c'est ceux-là qui sont au devant de la scène, qui égayent le public, alors même que les artistes véritables qui devraient être associés ne le sont pas. Donc quand il y a un répertoire, et que imaginez qu'il y ait peut-être la célébration de la fête de l'indépendance, on construit juste le répertoire, on sait qui est musicien, qui ne l'est pas, on leur fait appel. La plus personne ne dira après, bon, on ne m'a pas appelé, pourtant je suis artiste. Donc tu es artiste sur la base de quoi? C'est là la question. Mais là, ça devrait vous réjouir, vous, les professionnels. Oui, naturellement, ça devrait nous réjouir, c'est pour ça qu'on est là. Parce que alors, plus tard, plus personne ne viendra dire « je suis comédien », alors qu'il n'est pas dans le répertoire. Pas, et non, toi, tu es comédien. Non, vous savez, dans n'importe quel métier, il y a toujours des bébés galés, même dans les journalistes. Malgré qu'il y a Rakura, il y a des journalistes qui sont déclarés journalistes. Sauf que là, nous parlons des artistes. Non, c'est pour vous dire que là, non, parce que chaque fois, mon ami, mon cher ami journaliste culturel, il revient sur le fond d'aide à la culture. J'ai l'impression que pour lui, il a un petit problème. Non. Moi, j'ai posé une question très claire. Voilà, je vous dis. Vous répondez à ma question. Ok, je réponds à la question. Moi, je m'occupe de lui, oui. Vous savez. Voilà, non, c'est-à-dire il y a les choses qui sont là. Oui. Comment on appelle? Vous savez, c'est parce qu'il y a assez de professionnels qui ne jouent que de ce métier. C'est pour cela
il est nécessaire oui. de venir appliquer les tests. Bien. Le statut de l'artiste qui est voté, bon, c'est pas voté, oui. voilà, je peux dire depuis oui. 2011, oui. n'a jamais eu le décret d'application. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas appliqué depuis 8 ans. Oui. Maintenant, avant qu'on applique, il faut la maison de l'artiste forcément avant de répertorier. Oui. On ne peut pas, la SDPAC qui est devenue DAL aujourd'hui, a tenté de faire un répertoire national, mais ça n'a pas abouti. Parce que dans les recensements, on a le même problème que nous avons eu quand ils ont voulu reverser les enseignants en 2008. Mmh. Ou au lieu de reverser ceux qui ont véritablement travaillé, on a reversé les maçons. Vous n'êtes pas en train de parler des enseignants. Non, il faut qu'on parle des artistes. Non, c'est pour vous dire que... Parce que pour parler des enseignants, on va appeler ceux qui sont qualifiés. Je suis d'accord, mais c'est pour vous dire que l'artiste est tout. Oui. L'artiste se retrouve dans l'univers où vous pouvez trouver un docteur en lui, vous pouvez trouver tout en lui. Oui. C'est pour cela notre métier se retrouve souvent dans l'univers. C'est très important, vous savez. Lorsque vous prenez l'UEME, le nombre d'artistes professionnels qui le vivent de ça, l'UEME seul dépasse 10. Bien. Je prends le cas, par exemple, je parle de l'Atlantique littoral. Tu vois, moi j'ai été assistant parce qu'il ne vit plus de Kofi Gaou, qui a véritablement travaillé par rapport à cette histoire-là. Qui ne vit, qui a fait près de 47 ans de carrière. Tu comprends? Minimum, hein, 47 ans de carrière. C'est pour te dire que nous répertorier, c'est nécessaire et c'est obligatoire. Maintenant, le faire comment? Il y a la méthode. Il faudrait d'abord que la structure qui s'occupe de ça, qu'on appelle la maison de l'artiste, soit installée. D'accord? Qu'on met celui qu'il faut à la place qu'il faut. Vous savez, c'est ça l'essentiel. Je prie, je dis, le gouvernement a l'ambition, le gouvernement, j'aime ce qu'il fait et je l'accompagne toujours. Mais je dis qu'aujourd'hui, si nous avons ce problème de... il y a manifestation, au lieu d'appeler le vrai artiste, on n'appelle pas ceci. C'est parce que l'histoire de copinage, malgré l'effort du gouvernement, beaucoup ne veulent pas le gommer de leur tête. On ne veut pas reconnaître la place de son vis-à-vis par rapport à ci, par rapport à ça. Très bien. Raïmi Amoussa, si on en est là aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la faute des artistes eux-mêmes? Ah oui. Ah oui. J'ai été, pendant des années, expert au fond d'aide à la culture. On peut revoir tout ce que j'ai noté comme observation. D'abord, nous sommes des bandits entre nous-mêmes. Ça, c'est un artiste qui le dit, hein. Oui. Donc, vous comprenez. On le suit. Vous ne comprenez pas que des gens, soi-disant, jouent au sein dehors et c'est eux qui redistribuent des projets à des parallèles et prennent des millions et donnent aux gens là des miettes. Je suis sûr que si ça tremble là, c'est parce que le gouvernement veut fouiller. Parce que parmi nous là, il y a des vrais bandits. Les études du banditisme dans cette affaire de fonds d'aide à la culture. Et c'est un autre problème que nous avons, ça. On n'est pas sincère. Et on a. Je me demande si c'est pas ça qui a créé les artistes maintenant. Oui. Tout le monde veut aller prendre l'argent là. Et on se fait des amis et on crée des projets. Il y a des projets qui n'ont même jamais eu de. Je ne sais pas comment. Ils n'ont pas exécuté. Cela veut dire que nous sommes nous-mêmes nos problèmes. Le plus important, c'est quoi? L'épée doit frapper partout. Il ne faut pas que nous soyons toujours à critiquer les autres. Nous sommes nous-mêmes les causes de nos problèmes, surtout quand on a été dans le milieu. Les meilleurs artistes ont toujours été négligés au profit du banditisme commercial. Ceux à qui on devait remettre du vrai sou, on ne les a pas remis. Et qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Ce que moi je demanderais au gouvernement, c'est de créer la notion de cachet. C'est-à-dire, Pasteur Zane, on sait qu'il est. On voit, il s'exprime. On peut dire, l'expression là, après tel temps, vous méritez un cachet et c'est le gouvernement qui vous donne ce titre. Ou on prend Esmaq Wendo de notre frère. Bon, on ne va pas faire de la publicité. Bon, excusez-nous, je vais parler de... Parce que là, c'est cette Rukou qui est notre directeur commercial qui va se mettre à votre... Est-ce qu'on nous excuse? Je vais parler de Florent. Oui. Évidemment. on peut donner à une école pareille de donner des cachets. Parce que le vrai problème, c'est quoi? Vous verrez que les vrais artistes là, quand on dit vrai là, ils ne sont pas allés à l'école.
c'est le problème qui se pose au Bénin. On leur donne, il suffit de leur donner un cachet. Et c'est à eux de former maintenant. Et peut-être, on additionne à ceux-là, ceux qui sont les enseignants. Est-ce que vous avez remarqué que quand on dit flash, à la flash là, à l'université, mais le professeur Adande, il a fait un grand travail pour que l'art démarre. Mais aujourd'hui, excusez-moi, est-ce que ce qu'on enseigne comme à flash là, c'est ça? Bon, d'accord. Je crois que ces suggestions sont certainement entendues par le gouvernement, mais pour justement en arriver, il faut avoir une base de données. C'est justement à cette étape que l'on est. Stanislas Benoukoua, moi, vous avez suivi les uns et les autres. La suite maintenant, est-ce qu'on ne devrait pas, parce qu'on a déjà commencé le recensement au niveau des artistes musiciens, il y a le recensement aussi des artistes plasticiens qui est en cours. On devrait étendre ça aux littéraires, aux autres artistes, non? Oui, on doit tout étendre ça. Tout homme qui fait des œuvres d'esprit. Exactement, on doit étendre ça à tout le monde. Mais puisque nous sommes dans un débat qui est suivi, je voudrais que chacun soit mis devant ses responsabilités. On est d'accord. Parce que quand on dit qu'il y a plus de 10 artistes qui vivent leur... Non, ne venez pas là-dessus. On donne les noms pour que chacun soit situé. Je vous donne je vous répète. D'accord, je vais répondre à votre question. Oui, allez-y, Alors, ce que je voudrais dire, c'est que au niveau même de la corporation des artistes, le recensement est plus qu'indispensable. Pourquoi? Parce que si on fait le parallèle avec le barreau, par exemple, des avocats, il y a un tableau. On sait que quand vous consultez le tableau du barreau, vous savez que tel est inscrit au barreau de Cotonou. C'est clair et net. C'est un peu ce que le gouvernement veut faire par rapport aux artistes. Quand vous consultez la base de données, vous saurez si... tant est qu'il est comédien que Pasteur Zane est inscrit sur le tableau des artistes, que tel est musicien inscrit sur le... C'est aussi simple que ça. Et dès lors qu'il y aura des avantages, des événements, on ira plus chercher ailleurs. Même les brebis galeuses auront désormais du mal à s'insérer parce que désormais c'est bien encadré. Et je crois que c'est salutaire. J'ai entendu tout à l'heure M. Amoussa parler des artistes peintres. Je crois que la sociologie du Béninois n'est pas encore adaptée à la peinture ou bien aux œuvres de l'esprit. C'est pour cela que vous allez remarquer que même au niveau de ceux qui écrivent, puisque j'en fais partie, même quand vous publiez une œuvre, par exemple, ça ne s'achète pas comme ça. Ça ne se lit pas. Pas parce que les gens ne veulent pas lire, mais la sociologie du Béninois n'est pas adaptée pour lire, pour consulter un tableau d'art. Imaginez, je vais faire une petite digression. À quelle jeune demoiselle vous allez offrir un tableau d'art aujourd'hui et qui va vous remercier par amour? Imaginez, alors que... Elle veut un téléphone. Elle veut un téléphone, Android, un smartphone, notre site, un iPhone. Voilà, et vous lui apportez un tableau pour dire que bon, tel c'est mon cœur qui est là, tel c'est toi. J'ai fait ça par Rémi Amoussa. Par Rémi, voilà. Je n'ai que faire de Rémi. Merci beaucoup, voilà. Donc vous avez tout compris, c'est ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas été sociologiquement éduqués à nous adapter à ces genres de tableaux. Ça ne se voit que dans les films. Donc, M. Amoussa souffrait que ça dure encore pendant des années et que d'ici là, les choses puissent être remises en ordre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Par rapport aux musiciens, nous savons que beaucoup s'improvisent musiciens aujourd'hui, surtout quand ils ont des succès. Mais disons que le vrai travail doit se faire dans le temps. Quand vous prenez Angélique Kidjo, aujourd'hui, c'est une fierté, quoi qu'on le dise. Elle vient du Bénin et toutes les fois où elle a l'occasion, elle revient au Bénin pour faire des activités. La dernière fois, elle était encore là. Donc, ça veut dire que nous devons travailler dans la durée. Je ne suis pas trop d'accord avec le fait que les vrais artistes n'ont pas forcément été à l'école. Peut-être les anciens. Les anciens n'ont pas été à l'école. Mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'essayent à la musique et qui vont à l'école. Donc, on va leur demander d'être davantage sages et d'apprendre peut-être aux côtés des aînés. Vous voyez, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et j'estime que aujourd'hui, avec l'intellect, ça facilite aussi l'inspiration. Vous voyez, quand l'inspiration, quand vous êtes illettré, par exemple, vous n'avez jamais été à l'école et que l'inspiration vient, vous pouvez la rendre d'une autre manière. Mais quand vous avez été à l'école, que ça vient, vous pouvez l'accoucher sur papier, vous pouvez l'ordonner d'une certaine façon. Vous voyez, donc, il y a toujours un bien, un intérêt certain à aller à l'école et mettre cela au service de son art. Donc, le répertoire initié par le gouvernement est très bon. Ça aura des avantages. Il y aura peut-être des cadres, la carte de l'artiste, je ne sais pas trop, qui va faire que... Même le ministre Robéki déjà avait commencé à confectionner ça. On a vu quelques artistes qui... Exactement, voilà. Donc, qui va faire que
on saura qui est qui et plus personne ne revendiquera désormais le statut qui ne lui revient pas. Anissé a dans ou non? Oui, comme je l'ai dit, moi je n'ai plus de doute par rapport au répertoire. Oui. Quel que soit Alpha, j'ai entendu, comment on appelle, M. Rémi, j'ai entendu M. Stan, et je tiens à dire ceci. Moi, je suis d'avis avec le gouvernement par rapport à ce qu'il entreprend. Oui. Mais vous savez, nous sommes au Bénin. Il y a la naissance de l'enfant, il y a l'entretien de l'enfant. Hein? C'est bien de mettre au monde un enfant. Mais l'enfant est venu au monde. Et ça reste comment l'entretenir pour que l'enfant puisse grandir et être un enfant ou être adulte demain et être aussi quelque chose demain. Tu vois? Il y a la seule chose que moi je demande par rapport au répertoire. Nous ne pouvons pas avoir un répertoire, comme il a dit, par rapport aux avocats, quoi, s'il n'y a pas la maison de l'artiste. Il faut quelque part... Vous l'avez déjà dit. Oui, mais je reviens sur ça. Je reviens sur ça. Pourquoi? Je reviens sur ça. Pourquoi? Parce que je voulais juste dire quelque chose. Oui, dites mais, alors. Monsieur Rémi a parlé des artistes qui n'ont pas été à l'école. Oui. Bon, c'est vrai. Là, ça réagit par rapport à ça. Oui, aussi. Non. Il y en a qui n'ont pas été à l'école. Même dans l'ancien temps, mais il y en a aussi qui ont été à l'école. Qui ont fait les études. Hein, par exemple, Basile Dadele est allé à l'école. Il y a Kofi Gaou qui est. Maintenant, il y a le statut dans sa section 4 qui parle de la formation, des espaces et du financement. Vous savez, le ministère en charge de la culture, les collectivités territoriales, les institutions d'enseignement artistique, la maison de l'artiste, les associations, les syndicats d'artistes, concours à la formation continue des artistes et des cours, séminaires, ateliers, résidences, bourses, échanges, rencontres. Voilà. C'est très important. C'est-à-dire, même si tu n'as pas été à l'école, et que la mais est-ce que l'artiste doit attendre le gouvernement pour se professionnaliser? Mais c'est normal, puisque tout à l'heure, je vous dis une chose. Ah oui? Oui. L'artiste doit attendre, pas forcément du gouvernement, mais d'une structure venant du gouvernement. Mais pourquoi? Pourquoi il n'investit pas dans sa propre formation? Voilà. Et vous savez, avant personne que... n'attend le gouvernement pour devenir journaliste. Pour devenir journaliste. Non, mais non, personne n'attend le gouvernement pour devenir journaliste. Mais le gouvernement a mis les structures qu'il faut. C'est pas vous qui avez, conçu l'ARC. C'est le. Justement. Oui. C'est-à-dire, il y a des formes. Avant, les journalistes de l'OTB allaient au Sénégal avec la bourse. Attendez. Oui. Allaient au Sénégal avec la bourse de l'État pour se faire former dans une école conçue par l'État sénégalais. Oui. Donc, il y a aussi l'OTB qui a un centre de professionnalisme. De profession, qui est une école de formation pour devenir journaliste pour dire ceci. Oui, oui. Maintenant, il y a les privés. Mais ce n'est pas gratuit. Non, rien n'est gratuit. Voilà. Maintenant, ce que je dis, c'est-à-dire, avant. Avant que l'artiste ne se forme, actuellement, par exemple, il y a une école. Pourquoi? Non, attendez, que reste-t-il à faire en matière d'établissement de répertoire? Parce que c'est là. Il reste beaucoup à faire. Voilà. Vous parlez de formation. Oui. Elle a demandé pourquoi est-ce que vous devez forcément attendre le gouvernement. Autrement dit, quelle est votre responsabilité dans votre professionnalisation? Notre responsabilité, c'est quoi? C'est quand tu es un artiste, tu ne dois pas rester dans ton coin et dire que tu es un artiste, point barre. Bien. Quand tu sais faire quelque chose, tu dois te perfectionner. Tu dois aller dans des centres. Parce qu'actuellement, on a parlé de rencontres. On a parlé de séminaires, d'ateliers. Oui. Ça, c'est des centres de formation. Oui. Maintenant, à défaut d'avoir une école des arts, oui. Il y a une école créée par un artiste qui est à Togbé, qui forme les gens en 3 ans et vous payez de l'argent par mois. Oui. Voilà. Il y a l'école. Il y a beaucoup. Mais il y en a un ou deux qui sont professionnels, mais coûtés par l'État. Oui. Parce qu'aujourd'hui, leur diplôme doit avoir de la valeur. De la valeur. L'État est en train. L'État travaille avec eux. Mmh. Et du coup, sans la force de l'État, même les établissements ne peuvent pas se venir à leurs besoins. Maintenant, l'artiste, je reviens à l'artiste. Oui. Vous savez... Vous allez finir en 10 secondes. Vous savez, l'artiste au Bénin manque d'informations. On est artiste, on sait chanter, point barre. Non. L'artiste doit aller vers l'information. Je fais tel métier, il me faut quoi pour pouvoir être quoi. Ouais, c'est très important dans notre métier au 229. Raïmi Amoussa. Moi, je pense que ce que le gouvernement fait, c'est par rapport... Déjà, dans vos écoles, remarquez qu'au CEP, il y a le dessin. Oui. Mais l'enseignant lui-même ne sait pas dessiner. Et je pense qu'après, c'est le bac. Mm-hmm. Il y a le dessin.
Mais le poison aussi ne sait pas dessiner. Ça veut dire quoi? On laisse l'enfant, comme on dit. Donc, c'est nécessaire ce que le gouvernement est en train de faire. Le problème maintenant, c'est quoi? Il va falloir, quand je parlais de cacher, prendre certains artistes qui ont de l'expérience, les cacheter pour dire, vous, maintenant, on vous titre comme ça. C'est à vous de former maintenant d'autres. Et merci, la nouvelle génération. Et on les adjoint, les experts en anthropologie, en sociologie. Je ne sais pas si vous suivez. Parce que tant qu'on ne fait pas ce travail, et l'autre chose, c'est quoi? Les intellectuels ne peuvent pas gérer à 100% les artistes. C'est impossible. Ça ne marchera pas. Quand on dit ministère de la Culture, là, il faut qu'on s'organise de manière à ce que les professionnels, même ceux qui sont du métier, gèrent la chose. Mais quand quelqu'un... Je ne sais pas, ça ne marchera pas. Il ne comprendra jamais les autres. Bon, et les artistes ont besoin d'être parrainés pendant un temps d'abord encore au Bénin. Très bien. Donc, en bref, ce que vous aviez déjà dit. Stanislas, on va où avec tout ça? Parce qu'on va finir avec vous. Hein. Quelles sont les perspectives de toutes ces réformes? Non, les perspectives déjà sont heureuses. Hein. L'espoir est permis. C'est déjà que les artistes auront un répertoire bien encadré. On saura qui est artiste et qui ne l'est pas. C'est déjà une grande avancée. Parce que quand dans un groupe, il y a un fourre-tout, on ne sait pas qui est qui, ce n'est pas bon. Quand il y a des avantages, on ne sait pas à qui les attribuer et souvent ça crée des problèmes. Et donc je crois que la première perspective déjà, c'est que le milieu sera assaini. On sera, chacun sera devant ses responsabilités. La chose aussi, c'est que les artistes doivent travailler davantage entre eux pour faire des recyclages. Voilà, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la formation. Il faut qu'entre, au niveau de la fédération des artistes, des différents groupements, qu'on puisse organiser des recyclages. Nous-mêmes, on le fait dans notre métier. Il y en a. On doit organiser des recyclages pour dire, ah, il y a l'avènement. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Actuellement, il y a les réseaux sociaux. Comment faire pour que notre art puisse s'adapter aux réseaux sociaux, puisse facilement s'exporter via ces réseaux sociaux? C'est ça qui c'est. Il faut des choses comme ça. Comment maintenant, via les réseaux sociaux, vendre mon humour si je suis comédien ou bien si je suis musicien? C'est ça qui c'est. Donc, les artistes eux-mêmes doivent s'entendre parce qu'il y a cette difficulté-là ici au Bénin où vraiment, dans le métier, on ne s'entend pas véritablement. Donc, ça, c'est une autre paire de manches. Mais ils doivent s'entendre pour savoir que dès lors que il y a un répertoire pour les artistes désormais. Nous devons nous unir davantage pour aller de l'avant. Parce que avant et après tout, c'est notre pays, c'est le Bénin qui doit primer et non les intérêts individuels de chacun.